Bonjour, j'avais eu les yeux plus grands que le ventre concernant les tirages pour le mois de mars, d'où deux trop grandes vidéos pour les poissons. Donc, pour l'amour, chaque guidance sera pour un signe et chaque vidéo sera en deux parties. La première partie avec le rappel des cartes vénusiennes sorties dans la première vidéo générale. Les cartes initiales de l'oracle Béline vénusienne, là, sont revues avec le Béline par Gabriel Sanchez. Et on aura un grand tirage avec le grand oracle de l'amour, dont voici un exemplaire. Et nous aurons en deuxième section un tirage au choix avec trois cartes de l'oracle de l'amour, un dos de cartes, et voilà un exemple de carte de ce jeu-là. Et puis le petit oracle des fées avec une petite phrase de sagesse. Ça va être du bélier jusqu'au verseau pour la deuxième partie du mois de mars. À tout de suite. Amis béliers, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, la paix et l'union était dans votre jeu avec les 13 cartes de l'oracle Béline dans la vidéo généraliste pour tout le mois de mars. La paix et l'union ici ont recherché effectivement la tranquillité et on l'a trouvée. Alors aussi bien dans les couples que dans les histoires qui commençaient. Et quant aux célibataires qui avaient déjà besoin de comprendre quelque chose en eux, eh bien, on sent que là, l'union a commencé à se faire entre le moi et le soi, entre l'inconscient et le conscient, si l'on veut. Donc, la paix de l'âme ici est favorable à toute nouvelle rencontre pour les célibataires. Et puis, en dos de paquet, vous aviez les passions. Et les passions, ici, c'est merveilleux parce que ça donne de l'entrain, ça donne des idées, ça donne envie d'y aller. Vous voyez là, on a le feu hein, qui est ajouté à ces deux énormes cœurs. Donc, ça fait penser, bien entendu, au feu du bélier. Hein. On a décidé de faire un effort. Et on se sent mu par le désir de suivre ses envies, voilà, et d'assouvir des passions. Alors, des passions amoureuses, des passions en général aussi. Ce qui est merveilleux avec le coq, c'est que ça annonce un jour nouveau. Alors, on va voir à présent votre tirage avec le grand oracle de l'amour en sautant de 4 en 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Ce que vous désirez vraiment, eh bien, c'est plus de souplesse. Donc, si vous êtes en couple, un peu plus de souplesse peut-être chez l'autre. Également, on a peut-être aussi envie de se sentir un petit peu mieux dans sa peau, physiquement parlant, de façon aussi à être plus en adéquation avec les désirs de la vie amoureuse. Voilà, donc là vous prenez le message tel qu'il vous est venu de façon brute et on va continuer. Une, deux, trois, quatre. On a ici la solitude. Donc là on va s'adresser aux personnes célibataires en premier, donc avec la souplesse. On va probablement vous demander d'être moins exigeant avec vous-même et probablement plus souple avec vous-même autant qu'avec les autres
même si de nature, vous n'êtes pas spécialement inflexible, vous êtes plutôt compréhensif en général, ami Bélier. Pour ce qui est des couples ici, alors dans le cas de figure où l'on se sent seul, même si l'on vit à deux, peut-être est-ce parce que l'autre est très affairé et à ce moment-là, ce serait peut-être bon de pouvoir en parler tranquillement. Et sinon, si vous-même avez tendance à être solitaire, là, c'est à vous encore de vous poser des questions. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez seul dans votre couple? Alors, pour les célibataires, on va voir ce qui suit. La peine. La peine, la souplesse à côté de la paix et de l'union et les passions. Moi, j'ai l'impression que sous prétexte de vouloir vous conformer à la situation qu'on vous impose, eh bien, on a fini par vous faire de la peine. En tout cas, ça concerne certaines personnes parmi vous. D'autres ont plutôt une peine. Une peine de cœur qui n'est pas causée par cette énorme solitude en tant que telle. On peut dire que vous avez appris à composer avec les différentes peines causées par autrui, la frustration, la peine que vous vous êtes donnée, les efforts que vous avez faits également hein, pour faire plaisir à l'autre. Et pour les célibataires, eh bien, ça ne suffit plus. Vous avez besoin que l'autre ou la personne que vous allez rencontrer soit vraiment au diapason avec vous de ce côté-là. C'est bien gentil de faire des efforts, que ce soit sur le plan de l'affection, l'apport matériel et ces choses-là, mais vous avez besoin aussi d'un répondant en face. Pour les couples ici, vous avez rongé votre frein pendant un moment, mais là, vous allez avoir besoin de demander à l'autre de faire un effort en particulier si vous voulez continuer à vous entendre et à regarder ensemble dans la même direction. Et avoir toujours ce rapport fusionnel très subtil entre vous. Une, deux, trois, quatre. Alors, ici, il est question du couple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que les deux brosses à dents ont la tête chacune d'un côté. Donc, on a tendance à regarder un petit peu trop au quotidien de son côté. On est pris par ses occupations. Et il est possible que votre couple, même s'il se retrouve par moments, en subisse un peu les conséquences. Bon, vous me direz, c'est un peu tous les couples avec la vie de tous les jours. Simplement, vous en avez pris votre parti, mais il est quand même juste de dire que autant vous êtes bien pour faire certaines choses et vous concentrer sur des choses que vous aimez autant que sur un travail à faire quand vous êtes seul, autant vous avez quand même du mal par moment à trouver un terrain d'entente, surtout avec votre conjoint ou votre conjointe. Pour les célibataires ici, ce qui est dit, c'est que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, voire d'avoir une vie de couple à nouveau, mais il serait peut-être bon pour certains d'entre vous d'abord de
vivre des passions amoureuses, des partages assez intenses, de façon à avoir un minimum de vécu. Voilà, ça c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Alors, nous avons le coup de foudre. Ah ! Alors là, on a le cas de figure chez les célibataires qui vont tomber amoureux comme ça assez rapidement. Comme ce mois est mu par les passions, ici, le coup de foudre va nous donner autant de joie que de peine en fonction des personnes. Alors, pour les couples, eh bien, il y a un regain de fougue amoureuse dans le couple, entre les deux personnes. Et puis, pour les célibataires, ici, on a besoin de prendre du recul quand on a une simple aventure. Et quand il s'agit de sentiments très forts, également une prise de recul pour ne pas se laisser complètement incendier par la passion. 1, 2, 3, 4. La durée. Alors, la durée à côté du couple, c'est un excellent signe. Pour les gens seuls qui souhaitent absolument faire une rencontre, on va donc vous proposer autant de recul que d'investissement personnel dans vos rencontres et d'avoir toujours autant la notion de prise de risque que celle d'être vous-même toujours à chaque instant, sans vouloir imposer vos volontés bien sûr, mais sans avoir besoin non plus de tout accepter venant de l'autre. 1, 2, 3, 4. La tendresse à côté du coup de foudre. Alors la tendresse en plus là sous la paix et le coup de foudre de l'union. Donc pour le couple ici, ça va être aussi bien fougueux que très câlin. Et pour les célibataires ici, donc on a des coups de foudre où on va marcher dans certains cas sur des œufs pour sonder un peu les réactions de l'autre, c'est tout à fait logique. Et en même temps, ici, plus on va monter son côté attentionné et câlin, et mieux ça va être pour les deux. 1, 2, 3, 4. Un nouveau départ, dans tous les cas, que ce soit pour les couples ou que ce soit pour les célibataires. Ici, cette partie du mois de mars va s'avérer très fructueuse en matière de nouveaux départs. Et l'on termine avec l'attirance. L'attirance intellectuelle, l'attirance physique, bref, on va jouer, on va séduire, on va jouer au jeu de la séduction et certains célibataires vont prendre le temps de se tourner autour. Voilà donc deux très belles cartes. Pour les célibataires ici, il est question de toujours se respecter tout en ayant à cœur l'intérêt de l'autre également. Donc, dans l'ensemble, ça se présente très bien. Voilà, on se retrouve donc pour la deuxième séquence avec un tirage au choix sur trois paquets proposés. Bienvenue à cette deuxième partie de guidance sur l'amour. Cette fois-ci, je vais vous demander de choisir entre trois paquets, trois tas, voilà.
avec le grand oracle de l'amour et le petit oracle des fées. Alors, le premier tas, c'est sous le coquillage de rivière, le deuxième avec le coquillage de mer et le troisième avec l'escargot de mer. Je vous laisse un instant pour choisir. Tas numéro 1, le coquillage de rivière. Nous avons le vertige de l'abandon, le souffle de l'amour, c'est très joli, et la déesse et le guerrier. Alors ici, pour répondre à votre question secrète, on a un réel besoin de confiance, d'abandon, de sensualité. Moi, j'ai grandement l'impression que vous êtes prêt ou prête à vivre cela, que vous soyez en couple ou que vous soyez tout simplement célibataire en attente d'une rencontre passionnée, passionnante, avec surtout beaucoup de complicité et de confiance ici. Donc voilà votre désir secret. Et le souffle de l'amour ici, eh bien, on est en train de vous rassurer. Regardez comme il met sa main ici, hein, derrière la tête de sa bien-aimée. On vous rassure, on vous dit qu'on vous aime. Voilà. Et pour certaines personnes qui n'y croient peut-être pas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie de vous connaître intimement et vous ne vous en rendez peut-être pas compte non plus. Alors, la petite phrase avec la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Alors, il est peut-être temps de vous montrer davantage. Et voilà, est-ce que vous avez peur de déclarer votre flamme? Est-ce que vous avez peur de répondre à l'empressement de quelqu'un qui veut se rapprocher de vous? Voilà, donc vous avez la réponse en vous en tout cas. On vous dit donc que c'est le bon moment et qu'il est temps d'agir. Je vous remercie. Pour le tas avec le coquillage de mer, voici les cartes. Nous avons l'élégance de l'amitié. L'élégance de l'amitié. Alors, il se peut que quelqu'un de proche ait des vues sentimentales sur vous, ou l'inverse. Dans certains cas, on est peut-être aussi dans une forme d'amitié amoureuse et on a envie que ça en reste là. Dans d'autres cas, on est avec quelqu'un et finalement on se rend compte que c'est la personne avec qui on se sent le mieux parce qu'en plus d'être notre amante, notre amant, c'est notre meilleur ami. Ici, nous avons le balai amoureux. Alors, le balai amoureux, ça peut faire penser à un peu de libertinage, au moins dans les fantasmes, chez certaines personnes. Certains parmi vous, alors ne prenez que ceux qui vous parlent, bien sûr, certains parmi vous ont plutôt envie de papillonner. Et ici, nous avons l'infinie tendresse qui rejoint l'élégance de l'amitié qui est sortie la première. Donc l'infinie tendresse, ici, c'est une grande complicité entre deux personnes qui sont vraiment à l'unisson, au diapason. Et
Pour les couples qui sont ensemble pour un moment, eh bien, cela va continuer. Et nous avons la dame blanche et la petite phrase qui suit. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Alors, peut-être que vous aviez avant une vie amoureuse différente de celle que vous vivez actuellement ou qui est en train de se profiler à l'horizon. Donc, n'hésitez absolument pas à embrasser cette nouvelle vie parce que la complicité, l'amitié amoureuse et la passion sont au rendez-vous. Je vous remercie. Namasté. Vous avez choisi le troisième tas avec le coquillage de mer. Eh bien, voici des réponses à votre question secrète. Nous avons la fusion des cœurs. Alors, la fusion des cœurs ici, ça parle de soi-même. Trouver l'âme sœur, trouver la personne avec qui on est vraiment en harmonie, on est en communication constante. Allez-vous retrouver les empressements et la précipitation des débuts? Ça, c'est très 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 possible. La passion amoureuse dans l'intimité, c'est vraiment là à portée de main. Nous avons également ici le sommeil et le baiser. Alors là, beaucoup de tendresse, beaucoup de rêverie, de romantisme, un imaginaire débordant concernant l'affectivité. Donc ça rejoint, hein, cette envie de fusionner avec l'autre, d'être en contact, communication, en totale communication avec l'autre, sur tous les plans. Et là, cela correspond à un désir très profond. Et ici, nous avons les multiples floraisons. Donc, pour les couples, eh bien, il y a des périodes, hein, qui sont très florissante, donc une qui arrive ici, hein, donc c'est comme tout, c'est comme pour tous les couples, hein, il y a des périodes avec plus de passion amoureuse que d'autres. Là, c'est en train de fleurir. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on approche du printemps, ça tombe très bien. Et puis la petite carte des fées, les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors, ce qui peut aider justement à ce regain de sensualité avec l'autre ou à la rencontre sensuelle avec une nouvelle personne, c'est justement de bien observer tout ce qui se passe autour de soi et en soi, et surtout de ne pas balayer d'un revers de main des rêves sensuels et romantiques, hein, quand on se réveille le matin. Et puis, si la rêverie abonde dans la journée, vous pouvez toujours vous en inspirer pour créer aussi. Voilà. En tout cas, cela promet de belles choses sur le plan intime pour certaines personnes qui ont donc choisi ce paquet. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre attention. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et on se retrouve donc très bientôt pour les guidances générales et sentimentales du mois d'avril. Namasté. Au revoir.